11h49 du matin. Il fait très froid. La zone, on est reparti pour une nouvelle aventure avec Gaspard. Là je vais à la gare, je rejoins Gaspard là-bas. Cette fois-ci c'est pas une aventure sur l'eau, mais vous allez voir, ça va être cool. Pied marais, aigle. Où est-ce qu'on va maintenant? Telle est la question. Regardez la correspondance. Les marécotes, ok. Voie 40, c'est là. Oh, il pleut gros. Pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. On prévoit là le sac, quoi. Attention, dans 3, 2, 1, Julien, tu me coupes les cheveux. Hop. Ok, mic check. Oh, shit. Oh, shit. Bon, les gars, la neige, elle est pas là. Y a pas de neige, là. Et on le rappelle, notre but, c'est de faire un igloo. Ah. Bon ben on est arrivé. Gaspard il cherche un endroit où on peut aller. Et en fait il a fait tellement chaud ces derniers jours et tout a fondu. Du coup on a choisi le pire week-end. On va faire avec. Hein. Ah ok, il y a un télésiège. Faut qu'on monte. On a pris une navette. Ensuite on va prendre un télésiège pour monter. C'est notre seule solution pour avancer de neige. Je vais chercher du pain pour la fondue là. Ouais. Et là c'est Gaspard qui régale les croissants. Le pain pour la fondue, j'ai pris la dose. Hein. Là on est bien. Ouais, là, on est bien. On est très bien. Bon, on a réussi à prendre la télécabine. On s'est fait un peu emmerder parce que le billet, il est là, il est gratuit. C'était juste une remontée, donc voilà. Donc on a vesqué le truc. Mais du coup, il y a une dame qui est venue. Elle m'a dit, vous savez pas payer. J'ai dit, c'est la carte mobiliste. Elle fonctionne pas. Putain, c'est beau, quoi. Mec, c'est un peu rose là-bas. Oh, putain, c'est tellement beau. On dirait qu'il y a un coucher de soleil alors que... Ouais, alors que c'est le matin, quoi. Ok les gars, alors là on va faire environ une heure de marche pour trouver un bon spot. Après on se pose, on mange, on fait notre tas de neige, on creuse, c'est nickel. Comment ça va? Ça va bien, ça avance. Ça avance. Petite dédicace à Justine qui nous a prêté sa pelle. Merci beaucoup à toi. Donc là en fait on a fait deux trous de chaque côté pour avancer un peu plus vite. Et puis quand on aura fini de tout bien creuser, et ben, on va reboucher l'autre trou et on n'aura plus que cette entrée. Ça je vais vider là tout ce qu'il y a. En gros Julien il casse, tu mens après. Je prends ma pelle. Ah dans la gueule. On va être bien cette nuit. Non. Ce soir, au menu fondu. Ça va être vraiment bien, ça va être vraiment bon. Bon, pendant que je finissais de faire le sol là-bas pour que ce soit tout plat, Gaspard il a réussi à monter là-haut. Et il a envie de descendre. Bah en gros il veut descendre ça en backflip. 3, 2, 1, go. Mais je vais sortir. Si. Ah voilà.
Coup de bassin. Deux fois d'affilée, il fait la même erreur. Round 3. Oh, t'as la tête qui tourne. Encore une idée à la con. On va sauter ce truc. 1. T'as fait un saut de 4 mètres. Regardez, la neige elle est rouge un peu parce qu'en fait c'est le sable du Sahara qui a été soufflé dans les montagnes et un peu sur toute la Suisse. Et au début on a cru que c'était de la pollution, mais en fait non. Petite séance drone dans cette magnifique vue. Je vous avoue que qu'il fait froid, hein. Il fait très froid et puis mes pieds, moi j'ai pas des chaussures adaptées et du coup moi, je suis congelé depuis 3 heures. Sinon on chill encore un peu. Là on finit de fabriquer le dôme et puis après on va préparer à manger pour ce soir. Hop, une place, deux places. On va être bien. Et on est bon là. En venant ici on est passé par un endroit où il y avait un espèce de préau avec du bois. Et du coup on va essayer de prendre ce bois, faire un feu ici. Ok, l'igloo a terminé. On a trouvé des bûches et là on est en train de se faire un petit endroit au calme. Petit dossier. On est très à l'aise. On est vraiment content parce que on est arrivé ici. On pensait qu'il allait pas avoir de neige. On était un peu désespérés à l'idée de se dire qu'on allait devoir retourner 2 heures de train jusqu'au Lausanne pour rien. Mais au final, en altitude, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Il y avait clairement assez de neige. C'est un igloo 5 étoiles, le bail. Ouais. Le nuage de sable qu'il y a eu tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est orange-jaune partout, c'est ouf quand même. Ça arrive rarement, c'est arrivé aujourd'hui. Du coup, on a eu de la chance, parce que c'est assez particulier comme paysage. Ça fait vraiment une heure qu'on essaye de faire un feu, et je crois qu'on y est enfin presque. Le plus gros challenge, c'était de faire prendre la bûche principale, là. Et on n'y arrivait vraiment pas, on a tout essayé. Ça fait peut-être 2 heures qu'on essaye et ça ne marche. C'est la grosse D, ça me casse les c***. Absolument pas. Ça m'énerve. En plus, je me suis coupé là, il y a du sang partout, Zobé. On a gâché beaucoup de temps, donc ça fait grosse déception. Donc on s'est mis dans l'igloo. On est un peu déçu de ne pas avoir réussi à faire un feu. Mais là du coup on va essayer de faire la fondue. Et même ça c'est pas sûr parce que normalement on est censé commencer à mettre sur une poêle. Et là on met directement sur le feu. On va voir comment ça marche. Et puis si on peut pas manger la fondue, on mange du pain. Mais sinon on pensait qu'on allait avoir assez chaud parce que vu que c'est un endroit fermé. Bon, c'est quand même mieux qu'à l'extérieur. Ouais mais il fait très froid quoi. Moi je suis congelé. De partout, les mains, les pieds. Sorti, on va réessayer de faire un feu parce qu'on aimerait bien regarder les étoiles, profiter un peu encore de notre soirée et essayer de se réchauffer un peu et puis après on ira se recoucher. On a réussi. Là on va chiller un peu. On essaye de réchauffer nos pieds. On est re-rentré dans la tente, Gaspard il est en train de boucher l'entrée et on va aller se coucher. On va essayer de se réchauffer un peu. Là c'est assez complexe, il fait vraiment froid. Du coup, on va vite se mettre dans nos sacs couchage et prier pour qu'on fasse pas une hypothermie. Allez, let's go, bonne nuit. Ok, il est actuellement 2h49 du matin.
Il fait très froid. Très froid. On est sorti faire un petit pipi. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. One eternity later. On vient de se réveiller. C'était une nuit super éprouvante. Ouais. Là, ce qu'on va faire, on va faire voler le drone, faire quelques plans. On va tout ranger. Et après, on va prendre la cabine pour descendre en plaine et rentrer à la maison. Au chaud. On va pas réussir à le casser, laissons-le du coup. On a essayé de sauter dessus. Wow oh. C'était vraiment rude, mais on a réussi, on est super contents. N'oubliez pas, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un pouce bleu, et puis à bientôt.